Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode d'update puisque ce week-end j'ai réalisé l'épisode 201 que vous pouvez voir ici sur mon mur, qui est la réalisation d'un French Clit ultra cool et je vous incite à aller le regarder. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira. Déjà première chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai changé d'appareil photo. J'ai laissé mon Pentax KS2 pour passer vers un Canon 70D. Pourquoi ce passage? J'avais du mal à trouver des objectifs corrects pour mon Pentax, alors qu'apparemment Canon c'est beaucoup plus utilisé. Donc j'ai décidé de sauter le pas. J'ai profité d'une bonne occasion, un organisme de formation qui revendait plusieurs 70D et que j'ai eu à moitié prix. Merci à l'ami Torvast pour son cadeau, merci. Donc je suis passé sur le 70D. La première conséquence, c'est que il y a comme un risque que une courbe d'apprentissage pour arriver à maîtriser et avoir une image correcte. Donc il risque d'y avoir dans les prochaines vidéos des vidéos sous-exposées, des vidéos surexposées, des foirages, je pense que j'ai appuyé sur l'enregistreur mais j'ai pas du tout appuyé. Je me suis acheté deux autres batteries, donc maintenant j'en ai trois, c'est très très bien. Et je commence un peu à prendre en main cet appareil qui est plutôt pas mal. Alors au niveau de la qualité, ça a l'air vraiment pas mal, surtout les poids des fichiers, ils sont énormes, ils sont monstrueux. Mais je peux faire de la correction de colorimétrie et ça c'est plutôt intéressant. L'épisode 201 a été publié un peu tard puisque ce week-end j'étais avec ma chérie. Et oui, j'ai une chérie, mais on y reviendra dans un épisode, peut-être un de ces jours, si vous êtes sage. Ma chérie m'a emmené à la Grotte à Bière, qui porte très bien son nom, qui est dans un coin, dans le Vexin, je crois, dans une cave troglodyte, où ils vendent des super bières, et où ils vous filent à bouffer. Et ça, c'était plutôt carrément cool. Et attends, il faut que je filme un peu, hein. La cave à bière. La cave à bière. Non, c'est pas la cave à bière, c'est la grotte à bière. C'est une vraie grotte. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer l'ami Fabrice, qui est ferronnier d'art et qui avait fabriqué tous les meubles dans la grotte à bière et qui lui aussi a une grotte. Non, c'est pas Fabrice, c'est Fabien. Fabien, qui est un gentil barbu, qui en plus connaît la grotte du barbu. Donc big up à lui. Il a un super atelier et je pense qu'un de ces jours, on risque d'aller squatter chez lui pour aller fabriquer un ou deux trucs, faire un peu de soudure. Parce que ici, faire de la soudure, c'est difficile et ça me manque beaucoup. Ouh, la grotte. Du coup, ici, c'est une vraie grotte. Une vraie grotte, vraie, vraie. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller passer un petit moment dans la cave à bière, c'est vraiment sympa. Ils ont des bières qui sont super bonnes, c'est abordable, l'ambiance est vraiment coolos, ultra cool. Donc week-end un petit peu speed, où j'ai dû rusher un peu des trucs à droite à gauche, j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos, mais vous inquiétez pas, dans les jours qui viennent, regardez tous ces sujets que j'ai pour vous, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets super intéressants, il y a des sujets moins intéressants, non c'est pas vrai, il y a des sujets sérieux, des sujets un peu moins sérieux, plein de choses à se mettre sous la dent, et j'espère que ça vous plaira. Petite nouveauté ou même grande nouveauté, je sais pas, à vous, après quelques mails et pas mal de commentaires, je me suis décidé à ouvrir un shop avec des t-shirts. Pour l'instant, il y a un logo, le logo officiel de la Grotte du Barbu, sur fond blanc ou gris, je crois. C'est un shop Spreadshirt,
Vous pouvez y aller, les liens bien sûr sont dans la description, mais je trouve ça un peu tristounet un seul logo. Donc, si jamais tu es un designer et que tu as envie de te faire un peu de pognon, propose-moi un design, et puis on se partagera, je sais pas trop comment, 70-30 les bénéfices, et je te refilerai 30% des bénéfices. Comme ça, un t-shirt coolos, des barbus contents, un petit peu de pognon, pif paf pouf, hop hop hop. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode update de Barbu Nawak. Donc en résumé, un épisode sur le French Clit, qui est ici. Je vous invite bien évidemment à le voir. Une nouvelle caméra, ici, là, qui en plus fait de l'autofocus sur moi. Ouh, comment c'est trop bien. Une petite visite à la grotte à bière. Une rencontre bien sympa avec Fabien. Une petite visite de son shop. Des t-shirts. Et plein plein d'épisodes qui arrivent. Bien sûr, comme d'habitude, tu sais comment faire, hein. Tu as des questions, des insultes, tous les liens sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Si cette vidéo t'a plu, tu sais comment faire, hein. Tu cliques sur le petit lien Utip, tu vas regarder une petite pub de 30 secondes, ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.